Hop hop hop, flash spécial les gens, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien que vous alliez dans la première ligne de la description. Il y a une vidéo, allez la checker s'il vous plaît, j'ai vraiment fait beaucoup de travail dessus et je suis sûr qu'il y a moyen que ça vous plaise. Et bien sûr, si vous êtes cool, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, je compte sur vous. De toute façon, vous êtes les meilleurs. Bref, aujourd'hui les gens, bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de notre aventure hardcore sur Minecraft. Et comme vous le voyez, waouh, qu'est-ce que c'est joli. Non, franchement, ça déchire, mais un truc de fou. J'ai trouvé des petits shaders pour la version 1.12.2, parce que souvenez-vous, la dernière fois, j'avais fait un petit sondage, justement, sur la vidéo, pour vous demander si vous vouliez les shaders ou quoi pour le prochain épisode. Donc, très largement, vous aviez répondu en grosse majorité les shaders. Il y a quelques rebelles qui ne veulent pas des shaders, c'est tout à votre honneur. Mais c'est la voix du peuple qui l'emporte. Et en plus, je suis du côté de la voix du peuple. Moi, perso, je suis pour les shaders. Donc vraiment, ça me va très bien. Je suis très content de cette réponse. Donc toujours, on a notre petit coffre qui est ici. On a pas mal de stuff. On a notre inventaire, on était full fer. On a notre petite épée en diamant. Yes, ça c'est cool. On a notre pioche en diamant, on a tout ça, tout ça. On est full fer. Alors direct, je vais sortir dehors. Parce que je crois que l'un des commentaires qui est ressorti le plus, c'est qu'en fait, j'aurais oublié un coffre dans la forge du village. Et apparemment, il y aurait du stuff à l'intérieur. Donc, on va aller voir ça. Oh là là, regardez-moi ces shaders, les gens. Mais c'est juste magnifique, quoi. Je suis super content, franchement, de retourner sur Minecraft. En plus, avec des shaders comme ça. Alors, vraiment, j'ai vu qu'en plus dans... What, c'est quoi ça? Ok, c'est rien. C'est peut-être là-dedans. C'est peut-être la vache. J'ai vu qu'en plus, les shaders dans les grottes, ça a l'air quand même, franchement, très clair. C'est-à-dire que c'est pas sombre du tout. Donc, ça, c'est cool. Donc... Ouais, salut les gars. Salut, salut. Pas de panique, je suis là. Donc, la forge. Ça, c'est un établi. Ok, d'accord. La forge ne doit pas être si loin que ça. On va aller voir ça. Ici, c'est pas la forge. D'accord. Apparemment... Bah, elle est là, la forge. Non? Ok, donc apparemment, les gens, j'aurais oublié un coffre. Quelque part par ici. Oh! Oh! GG, bah merci, bah vous aviez raison. Comme souvent d'ailleurs, j'ai envie de dire, on va récolter tout ça. Ouh, ça c'est cool. Une petite monture en or pour notre futur cheval. Ça, ça va déglinguer franchement. Du coup, c'est impeccable. On va se dépêcher de retourner au QG. Oh là là, regardez-moi ça, c'est shader. C'est d'une qualité. Franchement, j'adore. Le QG est là-bas, c'est parfait. Alors aussi, bien sûr, les gens, hein, si vous soutenez toujours la série, vraiment, merci pour tous vos retours sur les deux premiers épisodes. J'ai vu que ça vous plaisait beaucoup. Et si vraiment vous soutenez la série, que vous voulez que ça continue, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo, un petit commentaire pour me le faire savoir, et un petit partage, c'est cool. Et donc on va descendre là-dedans, et yes, oh là là, on a des lingots d'or et tout. Alors qui c'est qui m'a dit aussi dans les commentaires? Il y a quelqu'un qui m'a dit, bah d'ailleurs vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, surtout ne fais pas d'armure en or, c'est moins solide que la ferraille. Ouais, pourquoi pas. En revanche, on m'a dit que les armes en or étaient mieux que les armes en ferraille. Par contre, elles durent moins longtemps. Alors, que diriez-vous qu'on se prépare pour partir à l'aventure? On va malheureusement pas pouvoir tout emmener sur nous. Ouais, ouais, ça risque d'être tendu. Hein. Écoutez, je pourrais toujours me laisser un petit QG par ici, de toute façon. Hein. Je pense que je vais prendre de la pierre, histoire qu'on se fasse une base. J'aurai vraiment assez de pierre, je pense. Les arbres, j'en ai pas besoin. Le papier, on va garder. Parce que je vous rappelle que l'objectif, vraiment, un des objectifs principaux de cet épisode, c'est se faire la carte. Ça, ça va être très important pour pouvoir nous repérer. Les diamants, bien entendu qu'on va les prendre. Hein. Les lingots, tout ça, ça on prend. Impeccable! Donc, on a rangé notre coffre. On a rangé également notre inventaire. Donc ça, c'est cool. Et c'est bon. Et impeccable. Et du coup, on va voir si ça fait jour dehors. Et je pense qu'on va partir à l'aventure. Hein. J'ai pris vraiment le strict nécessaire sur moi. C'est-à-dire des pierres pour commencer à construire une base. La boussole, la monture, tout ça parce que je veux mettre dans la nouvelle base. Alors attendez, déjà première étape. Voir si ça fait jour dehors. Bon, c'est pas gagné. Je sens que si on part de nuit, on va se faire déglinguer. Je sais pas pourquoi. Bon, tu me diras, je suis quand même pas trop mal stuffé. C'est quoi là-bas? Attendez, merde, putain, j'ai perdu de la santé. C'est quoi là-bas? C'est des moutons? Bon écoutez, on va... Ah non, même pas, c'est des porcs. Tiens, prends ça, espèce de porc, mon vieux. On va se faire 2-3 porcs. Voilà. Est-ce que ça attaque là, non? Pas trop. Voilà. Toi, dégage. Ce qu'il faudrait qu'on trouve en priorité, les gens, là, c'est de la canne à sucre, histoire de se faire du papier. Donc je sais pas du tout où est-ce qu'on va trouver ça. De toute façon, attendez. Attendez. On a 18 torches, c'est pas mal. Voilà, je vais prendre une torche en main.
Je sais que le village est là. Je vais faire un truc avant de partir. Je vais aller placer des torches sur la montagne là-haut. Là. Oh merde, putain, il y a des creepers et tout. Waouh, ça va être chaud là-bas. Attendez, on se le fait le Skeletor ou quoi? Vas-y, on tente, hein. Vas-y, on se le fait, on se le fait. Oh le bâtard. Allez, vas-y, crack. Ça c'est fait, yes. Nickel. Creeper, vas-y, dégage. Vas-y, explose mon grand. Yes, ça c'est bon. Je crois qu'on craint plus rien pour le moment. Par ici, il y a un zombie là-bas. Lui, il est fini. Dégage. Voilà, ce qu'on va faire les gens, c'est qu'on va se mettre genre 2-3 petites torches dans le coin. Ah yes, ça commence à faire jour. Bah c'est impeccable ça. Voilà, nickel. What, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a une armure ou quoi là? C'est quoi ce délire? Oh, merde, soit il a une armure, soit il a bugué. Non, il a une armure je crois bien. Il a une armure l'enfoiré. Il a une armure. What? Vas-y, 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 je rentre, je rentre. C'est le squeletteur là-bas. Ok, du coup on prend de l'XP. Alors aussi on m'a dit que l'XP, ça servait à enchanter des armes. Donc c'est bien ce qui me semblait. Donc ça c'est plutôt cool. Vas-y, on se le fait, on se le fait, on se le fait. On se le fait, on se le fait. Dégage. Arrière Satan. Nickel. On va vite manger un bout. Avant de se faire niquer, voilà, c'est impeccable. Allez, let's go, on récupère notre santé et on part à l'aventure. C'en est où? Ça va, mon armure, elle a pas trop mangé, c'est bon, c'est nickel. Alors du coup, où est-ce qu'on va pouvoir trouver de la canne à sucre, les gens? Ça va être ça, la vraie question aujourd'hui. Parce qu'en vrai, j'ai bien envie de construire une base et trouver de la canne à sucre. Donc ça va être vraiment les deux choses principales à faire. Oh putain, mais il y a du cochon par ici. La canne à sucre, ça va se trouver par ici, hein. Du sable, du sable, du sable. On va peut-être en prendre un petit peu du sable. Quoi qu'attendez. Non, pour l'instant, c'est pas le but premier. En plus, mon inventaire, il est déjà pas mal plein. Ça, par contre, je vais prendre... Voilà, de l'encre. Ça se ramasse. Putain, il y a pas de canne à sucre, quoi. Il y a pas une seule canne à... Ah si, yes. Yes. De la canne à sucre. Parfait. Allez, donne-moi tout ça. Voilà, on va se ramasser tout ça. Nickel. C'est parfait. Du coup, on va se ramasser un petit peu de bois, les gens, tant qu'il fait encore jour. On va se faire un petit établi. La base de la survie, j'ai envie de dire. J'ai du bois. L'établi, c'est comment? C'est pas comme ça? On va se faire quelques blocs de bois comme ça. Tac. Un petit établi, c'est nickel. On va poser ça là. Et normalement, on va pouvoir se faire une carte, les gens. What? Je sais plus comment qu'on fait du papier. Ah, bah voilà. Voilà, ok, c'est comme ça le papier. Donc, il va nous falloir un... ok, 3 papiers, c'est parfait. Et il va nous en falloir 3 de plus, nickel. Donc là, on va disposer les papiers comme ceci. On va prendre la boussole et normalement, yes, carte vierge, nickel. Alors, pour remplir la carte, est-ce qu'il faudrait pas... Est-ce que ce serait pas un truc comme ça, des fois? Non? À moins qu'elle se remplit au fur et à mesure que je la tiens dans la main, c'est possible aussi. Hein. Est-ce qu'elle se remplit au fur et à mesure, la carte? Peut-être. Je sais pas du tout, franchement. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Attendez. Oh! Oh, bah ça y est! Elle s'est remplie! J'ai fait un clic droit dessus, elle s'est remplie. Oh, c'est délire. Par contre, c'est normal qu'elle est floue, quoi. Voilà, on a notre carte en main. Par contre, elle est vraiment très floue, la carte. Ouais, c'est vraiment dommage parce que du coup, avec les shaders, en fait, ça focus... voilà. Alors nous, on est où là-dessus? Le truc, c'est que je sais pas où est-ce qu'on est sur la map. Je sais qu'on est au bord de la rivière. Nous, ça va être en longeant la rivière comme ça. On a notre petit abri de fortune qui va être là-bas. D'ailleurs, on a posé des torches. Mais par contre, je vois pas de point... c'est quoi ce délire? Attendez, on va manger un petit bout, là. Comment ne pas cacher ma déception? C'est-à-dire qu'en fait, je pensais que on se voyait sur la carte en train de se déplacer. Visiblement, ce n'est pas le cas. À moins que j'ai loupé quelque chose. C'est possible aussi. Moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était mettre des points, par exemple... voilà, dire que là, c'est chez moi. Et le noter sur la carte. Vous voyez? J'ai juste l'impression que ce n'est pas possible. Merde. De toute façon, nous, on sait que notre base, c'est au pied de la montagne blanche sur la carte. Donc ça, c'est parfait. C'est juste qu'on se voit pas dessus, quoi. Donc en fait, j'ai envie de dire que ça sert presque à rien. Ok, alors attendez, je viens de regarder une vidéo de Jean-Mi les bons tutos. Donc dédicace à toi, d'ailleurs. C'est bien cool. Peut-être que tu vas me sauver la vie. On va juste retourner là-dedans. Et normalement, j'ai la soluce. Donc, il suffirait, pour zoomer sur la carte, de poser une carte comme ceci. Alors attendez, déjà, on va faire ça. Voilà. Il nous faut du papier, encore du papier et encore du papier. Maintenant, il suffirait de poser la carte ici, de l'entourer. Et je crois que j'ai mis les bons tutos. Carte 0, pourquoi il me dit carte 0 toujours? What? Pourtant, il m'a dit c'est comme ça, Jean-Mi, là. Ah non? Carte de niveau 0.
Clic droit. D'accord, donc je suis passé de la carte niveau 0 à carte niveau 1. Mais comment ça marche? Ah, regardez. Ok, j'ai compris. En fait, la carte, elle se dévoile au fur et à mesure qu'on avance. D'accord, ok, j'ai pigé, c'est bon. Voilà, la carte, elle se dévoile vraiment au fur et à mesure. On va pouvoir partir plus loin comme ça. Ok, du coup, c'est nickel. On a notre petite carte. On a notre épée en diamant dans l'autre main. Et bah ça, c'est parfait, voyez. Et merde, ça flotte. Bon, ça, c'était pas forcément prévu au programme, mais on va faire avec, du coup, c'est pas grave. Par contre, je comprends pas. Dans la vidéo de Jean-Mi les bons tutos, lui, il voyait son bonhomme sur la carte. Enfin, il voyait au moins un petit point blanc, un triangle. Moi, je le vois pas. Bon, je sais que de toute façon, pour revenir, faut longer la rivière et tout. Donc ça, c'est parfait. Oh là là, comment ils sont magnifiques, les shaders. Ça brille de toute beauté au sol. Tiens, prends ça dans la gueule, toi. Oula. Oula, 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 oula. On va se calmer, les gars, on va se calmer. Tranquille, là. Voilà, tranquille. Je sais ce qu'il va me falloir. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais qu'est-ce... Mais non, c'est pas vrai! Bon. Bah... Bon bah les gars, eh bah écoutez, ça aurait été un épisode court, ma foi. Et c'est ainsi que s'achève notre survie en mode hardcore. Je suis désemparé là. Là je suis désemparé, je sais pas quoi dire là. Franchement, je me suis fait plomber mais en deux coups d'épée. Mais c'est qui ce mini machin là? Putain, qu'est-ce qu'il foutait là lui? Vraiment, je suis dépité, c'est un truc de fou. En tout cas, si vous êtes chaud pour qu'on reprenne cette série hardcore à un moment donné ou un autre, eh bien, n'hésitez pas, vous laissez un petit pouce bleu, le petit soutien, ça fait plaisir. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, au revoir. Je suis dégoûté, franchement, dégoûté.